qui est mobilisation, question kidnapping et la trier. Et moi, je voulais commencer la conférence de presse matin hein, pendant m'a salué le président désigné par l'opposition et la société civile, le juge le plus ancien à la Cour de cassation, Joseph Mécène Jean-Louis. Oui, Joseph Mécène Jean-Louis. C'est le président désigné par l'opposition et la société civile pour remplir la fonction de président provisoire de la République. Et matin, on parlait avec monde qui s'en est dans l'entourage, qui était capable même de dire avec le directeur cabinet, nous avons garanti que le président désigné Joseph Mécène Jean-Louis est au travail avec son équipe. Il a travaillé sur une série de dossiers importants, tels que comment conduire cette conférence nationale, comment rendre la justice fonctionnelle, parce que ça fait plus passer 2 ans que la justice haïtienne est dysfonctionnelle. L'équipe du président désigné Joseph Mécène Jean-Louis travaille sur ce dossier important. Et donc on est que les associations de magistrats ont une grève depuis Jovenel Moïse Téphine font un coup de force pour qu'il révoque 3 juges dans la Cour de cassation. L'équipe du président désigné, d'après information de gain, a travaillé sur le dossier ça, comment rendre la justice fonctionnelle et qu'elle puisse assumer ses responsabilités pour être capable de traiter une série de dossiers importants, dossier Petro Caribé, dossier et assassinat Maître Dorval, assassinat Grégory Saint-Hilaire, dossier massacre La Saline, Cité Soleil, Belém pour bailler monde ça en justice. Et des dossiers qui ont un pile de travail qui a fait sur eux. Et il y a travail tout. Bon côté Bayo, sous question élection qui vient pour faire dans le pays, pas avec Jovenel Moïse, pas qu'on y a. Mais vous pensez, il faut qu'il y ait une condition qui réunit les moments arrivés pour l'élection faite. Il y a travail sur ce sujet ça. Bref, c'était pour vous dire que le président désigné de la transition et son équipe travaillent sur des dossiers importants. Et je tenais à présenter notre félicitation au président désigné Joseph Mécène Jean-Louis, qui a accepté de servir son pays à un moment très difficile de notre histoire. Et nous voyons sympathie par SPNH 17, qui sont syndicats de la police. Un syndicat qui travaille pour la police, capable vraiment de jouer le rôle dans de meilleures conditions. Un syndicat qui travaille pour les policiers capables de joindre de meilleures conditions de travail, joindre de bons salaires. Le secteur démocratique et populaire solidaire avec SPNH 17, même si nous solidaires avec tous les policiers. Parce que hier, d'abord en conférence de presse, nous apprenons la police débarquer devant le local, Yohanan Bois-Vernard, pour intimider le monde dans la position. Il y a 2 avocats qui étaient dans la conférence de presse là, M. Arnel Rémy avec M. Jean-Fritz Mani, qui était en difficulté, et on espérait que la Fédération des barreaux d'Haïti libérale prenne position, parce que on ne peut pas intimider un avocat dans l'exercice de sa profession. M. Maïn et M. Arnel Rémy, qui t'a baillé conférence de presse là avec le porte-parole de SPNH 17, policier Thomon, c'est des avocats qui, dans l'exercice professionnel, il est inacceptable que la police a l'intimidé. Moi, j'espère que les policiers vont continuer la bataille pour persécution politique, répression syndicale qui a fait sous mon SPNH 17, sous les policiers qui ont bataillé dans la police pour être capable de fonctionner correctement. Il faut que la persécution soit suspendue. Moi, j'espère que la bataille va continuer pour les policiers à Belson Bonnet joindre libération le plus vite possible. Et la semaine passée, il y a une délégation secteur démocratique et populaire qui est montée à Foufey. Nous avons une famille à Belson Bonnet. Un policier qui dit qu'il y a une gang, qu'il y a une corruption. Et là, nous arrivons, nous voyons dans quelles conditions la vie. Nous voyons dans quelles conditions la famille la vie. Nous voyons, nous montons dans un passé de à nous. Et c'est là que nous comprenons que Abelson Gounet est un policier sérieux, son policier honnête. S'il était vagabond, s'il était dans une gang, il n'est pas dans une condition sale de vivre.
On est qui fait 10 ans dans la police. Sœur Salguin, son vieux motocyclette qui finit de craser. Il est à pied puis mal. Là, il est transféré dans le nord-ouest, la Latimotowa. Il est transféré la KNNL Kassi Ano, la Latimotowa. Il est transféré dans la Grand Dans, la Lavelle. Il est transféré dans le sud-est, la Kaimoua, la Lavelle. Il est transféré la Tibonite, la Lavelle. C'est un type honnête, c'est un type intègre. Je veux dire, la victime de répression syndicale, le secteur démocratique demande sa libération et nous apportons toute notre solidarité à sa famille et à tous les policiers, en situation de difficulté, en situation qui a subi répression syndicale dans le même état-major de la police. Là, j'en ai dit déjà, Léon Charles, c'est l'ennemi numéro un de la police nationale d'Haïti. Il a tout fait pour briser, pour casser, pour détruire la PNH. Il fait All Black, il fait Team Léon, il divise la police, là. Il mette une sous l'autre, il négocie à bandit. Et pour le prochain chat, il quitte le cadavre policier, assassiné village de Dieu, 12 massio, chien à manger en bas. Bref, il n'a rien fait pour sauvegarder l'image de l'institution policière. Ils ont tué un policier pendant notre zone d'aménage, il dit qu'il a volé un policier à mourir. Bref, Léon Charles, c'est l'ennemi numéro un de la police nationale d'Haïti et le secteur démocratique et populaire apporte son soutien et sa solidarité à cette institution républicaine, la police nationale d'Haïti, qui a des responsabilités qu'elle doit assumer. Et nous faisons nos batailles pour la police capable de jouer correctement. Maintenant, sur cette affaire de médiation de religion pour la paix, c'est un dossier important. La position du secteur démocratique et populaire est claire. Le secteur démocratique et populaire est un groupe politique d'avant-garde. Nous avons accompagné le peuple haïtien pendant tout le mandat de Jovenel Moïse dans cette bataille pour la démocratie. Jovenel Moïse fait tout le mandat de la crise pays, secteur démocratique et populaire, nous fait tout le temps nous, nous beaucoup de peuple. Pas de monde qui a jamais oublié l'engagement député secteur démocratique de la Tévra. Pas de monde qui a jamais oublié l'engagement sénateur secteur démocratique là, de prendre en parlement. Pas de monde qui a jamais oublié la qualité de mobilisation nous fait dans le pays avec le peuple là, 2018, 2019, 2020, et jusqu'à aujourd'hui, la bataille continue. Secteur démocratique et populaire, pas de jamais accepté baptiser avec le diable. Nous sommes un groupe de conviction. Et le peuple haïtien peut compter sur le secteur démocratique et populaire dans cette bataille pour le changement de ses conditions de vie. Je veux dire, nous-mêmes nous dit, sous question médiation religion pour la paix, le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse a pris fin depuis 7 février 2021. À partir de ce moment, pas y a aucune négociation avec Jovenel Moïse qui est possible. Pas y a aucun dialogue avec Jovenel Moïse qui est possible. Peuple haïtien, secteur démocratique et populaire, pas négocier et pas jamais négocier sur l'article 134-2 de la Constitution. Ça, nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons jamais faire. Et quel que soit le monde qui fait, nous avons en contravention avec peuple haïtien. Mandat Jovenel Moïse fini, pas de négociation, pas de dialogue avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse doit quitter le palais national immédiatement. C'est la position du secteur démocratique et populaire. Pas de dialogue, pas de discussion avec Jovenel Moïse, pas de négociation sous constitution. Et n'importe qui qui fait, n'a pas combattu, n'a pas dénoncé. Deuxième bagaille, où est le jour pour la paix? N'a pas l'autorité morale et l'indépendance politique nécessaire pour conduire une telle entreprise. Bonjour pour la paix, pas qu'à faire médiation. Bonjour pour la paix, charger problème. Bonjour pour la paix, pas jamais prendre position. Soit article 134-2 de Constitution. Bonjour pour la paix, pas jamais prendre position. Là, ils ont massacré mon la saline. Là, ils ont tué mon belle, là, ils ont tué mon petit soleil. Là, ils ont assassiné le bâtonnier d'Orval. Bonjour pour la paix, pas jamais prendre position. Evonie Auguste, qui est membre de Jean pour la paix, il y a mon conseil électoral là. Bonjour pour la paix fait partie de la crise. On ne peut pas être à la fois jugé parti. Bonjour pour la paix est disqualifié.
pour conduire une entreprise de discussion. Et puis autre chose. Le Monseigneur Père André Dumas, qui c'est, à mon sens, je l'assume, seul monde dans la région pour la paix qui a un minimum de crédibilité, bon, on va voir dans la question de dialogue là. C'est Monseigneur Beauvoir qui a voué pied la droite à la gauche, avec le taureau et les cléments, qui a viré, etc. C'est seul Monseigneur Dumas qui a un minimum de crédibilité. Information, il y a un bon dimamite, je ne suis pas dans la bataille ça. Parce que Monseigneur Dumas comprend que vous n'avez pas parler de dialogue. Avec un nègre qui a violé la constitution, avec un nègre qui a un mandat fini. Bon, religion pour la paix, chargé problème. Religion pour la paix, mais dans le propre, t'es la caille, il charge un problème. Je veux dire. Religion pour la paix, fait du compal. Religion pour la paix, chargé problème, il met dans le propre, t'es la caille. Religion pour la paix est disqualifié. Religion pour la paix n'a pas l'autorité morale et l'indépendance politique nécessaire pour conduire cette entreprise. Nous clair sur ça. Ça veut dire, si on joue à bien médiation, je le regrette, c'est pas, et comment il s'appelle, et Pasteur Beauvoir, ou bien comment il est Clément, Evonique Balmène. Franchement, c'est sûr, une plaisanterie que nous avons accepté, c'est que démocratique et populaire, nous pourrons l'accepter dans nos médiations, et puis l'arrivée, c'est Evonique qui est dans le conseil électoral qui va le recevoir, nous, c'est Clément, c'est Beauvoir, dans le foot fort des pour et pouvoir bah, avantage qui va le recevoir. Donc, franchement, ce serait une plaisanterie. Je vous donne la garantie, mes chers amis, cela n'arrivera jamais. Par contre, secteur démocratique là, quoi, il faut qu'il y ait une discussion entre les différents acteurs de la vie nationale. Il faut qu'il y ait une discussion avec la société civile. Il faut qu'il y ait une discussion avec l'opposition. Et nous prêts pour nous discuter avec l'opposition, avec la société civile. Et il faut nous discuter tout avec la communauté internationale là, parce que c'est eux pas mon Jovenel. Jovenel, moi, ils sont restés avec lui. Nous avons discuté avec la communauté internationale là. Parce que faut nous évacuer Jovenel le plus vite possible. Maintenant là, Jovenel pas de là encore. Chaque jour, Jovenel Moïse passe dans le palais, hein? C'est misère peuple à la augmenter, c'est kidnapping à la augmenter. Ça veut dire ça? Oui, il faut des discussions. C'est la position du secteur démocratique et populaire. Il faut des discussions entre les différents secteurs de la vie nationale et la communauté internationale qui est le patron de Jovenel Moïse. Je ne vais pas le chita rester avec, qui demande à le fini. Le ça, pour nous capables d'évacuer Jovenel rapide, ça nous fait dans l'immédiat. Et le ça, n'a pas capable de monter un gouvernement avec des femmes et des hommes crédibles. Mais Saint-Jean, lui, a capable de prêter serment, ou a capable de faire avancer pour ces massacres à Saline, ou a faire avancer pour ces Petro-Caribé, ou a faire avancer dans ces conférences nationales haïtiennes souveraines, et ou a créer conditions pour élections faites dans le pays. Et c'est ça que la communauté internationale doit comprendre. Mon note, qu'on groupe sorti matin. On note qui signe par beaucoup. Ambassadeur Allemagne, ambassadeur Union Européenne, ambassadeur la France, ambassadeur américain, ambassadeur Espagne, représentant OEA, et tant d'autres, qui dit ouvre l'élection dans l'année 2021. Mais franchement, c'est ne pas comprendre la réalité. Aujourd'hui, la communauté internationale doit le comprendre. Jovenel Moïse, qui reste au pouvoir en dehors de la Constitution et des lois de la République, c'est le principal obstacle à l'organisation des élections. On va pas demander pays, demander opposition, on va pas demander société civile là, on va pas demander peuple là pour aller à l'élection avec un nègre mandat fini qui font coup d'état qui est mon pouvoir. On va pas parler d'élection avec un conseil électoral et Vonifère, mon religion pour la paix au fond avec Jovenel Moïse qui est 9 membres PHT Canada. On va parler d'élection dans conditions comme ça, c'est gang kidnapping, capturer monde, kidnapper monde. C'est kidnapping qui a fait dans le pays. La police a fait des cartes devant les bandits. Les conditions ne sont pas réunies. Pour élection faite, pour un, Jovenel Moïse quitte le pouvoir le plus vite possible, immédiatement, parce que le mandat est fini depuis 7 février 2021. Deux, il faut un gouvernement avec des hommes et des femmes crédibles. Mais Saint-Jean lui prêtait ses mains. Ou qu'on fait de route, les sorts pour aller dans l'élection. Écoutez, nous sommes de l'opposition, nous n'avons pas peur d'élection. L'opposition n'a pas peur des élections. Au contraire, c'est ma conviction. Le jour où conditions réunies pour les élections faites dans le pays, ce sont les forces
démocratique et populaire qui gagneront ces élections. Ça veut dire qu'il y a une bonne belle. C'est Jovenel Moïse qui problème. Conditions pas réunies, c'est pour une bataille pour l'élection faite dans de bonnes conditions. Voilà la position du secteur démocratique à ce sujet. Et nous clairs, nous bon côté peuple là, nous pas trahir cause peuple là. Et quel que soit le monde qui trahit cause peuple là, nous combattons, nous dénonçons. À l'aise. Nous sommes nos frères journalistes qui ne sont pas corrompus, qui toujours répondent présents dans toute bataille secteur démocratique et populaire à mener pour être dans quel niveau nous capables de débarrasser le pays de l'équipe malfaiteur qui prennent en otage sous couverture de leur frange dans la communauté internationale. Nous saluons le courage toute base, soit dans l'ouest, dans le sud, dans le nord, dans le NIP, dans tout département pays, qui refusait tout avantage que le gouvernement corrompu a pour frio et pour yo venir goumer beaucoup de peuples haïtiens. Bravo, messieurs. Toute base, base chaude Mars, qui a marché en bas de la police corrompu, que Matéli, Lamotte, Sophia, inculpé, bourré dans la corps police là, qui presque transformé en un corps gang, nous saluons. Mobilisation, son passage obligé, et c'est lui qui constitue son pays à nous comme ZAM pour nous battre. C'est pas qu'on est ou pas qu'on est ça pour nous faire. Le training. Souvent sur terrain pour nous faire laisser frapper avec eux. Pour baron étranger capable de moyen pour entrer dans le pays pour faire occupation. Mais grâce soit à Dieu, nous avons de grands dirigeants qui ont une vision qui va entrer dans la logique ça et nous choisir pour nous utiliser sa mobilisation. Et nous demandons tout côté, tout le monde qui toujours a mobilisé pour me décourager. Choisir qu'on paie sur mobilisation, c'est choisir dire d'accord à kidnapping que pouvoir a fait sur le peuple. Choisir qu'on paie sur mobilisation, c'est choisir dire que d'accord à la mort mon frère Guédoval, que Jovenel dit. Qui mourit à 10h13 et à 10h15, madame n'y pote vide en Bali pour dire chérie, mission accomplie. Hélas, si tu as justice en Haïti, Martine Moïse t'a deux en bas corde. Dis comme pas mobiliser encore, c'est dit, mais d'accord à policier nous, que Léon Charles, voyez, en bas, elle mourit. Pendant que vous dépassez en pile-cob pour récupérer matériel là. Et puis, corps policier. Hélas. Dit que pas mobilisé. C'est dit, moi d'accord, à Gonet qui est en prison. Parce que la défense policière par elle, on ne va pas parler de. On va parler de policiers. De pour policiers à les armes, les tirer sur policiers par les lits, pas policiers, son homme, all black, il va policier. Et vrai, dit que je ne pas mobiliser encore, oui. C'est dit que je ne comprendre qui bataille dirigeant opposition en général et dirigeant secteur démocratique et populaire mené en particulier. Dit que je ne mobiliser encore, c'est dit que je suis d'accord avec le massacre Belin, 4 massacres Belin. C'est dit que je suis d'accord
pour arrêter le monde de bien, arrêter le sénateur de Nelkassi qui va vivre pour bataille ça. Pendant ce temps, Mikado a flané. Pendant ce temps, Babekou fin boule belé, il touye un belé, il va y confesse de Brest. Pour dire que c'est moi qui fais. Il ne veut pas dire que le criminel. Dis-nous pas mobiliser, c'est dire qu'il doit accepter nos grands goûts. Dis-nous pas mobiliser, c'est dire qu'il doit accepter des récords de campagne nationale en mandat pour qu'on finisse. Dis-nous pas mobiliser, c'est dire que nous sommes d'accord pour inculper, continuer tout le monde, continuer kidnapper le monde. Enfin, nous encourager tout le monde. Secteur protestant, secteur catholique, secteur vaudouisant. Parce que comme les gros babliers, je ne vais pas parler de secteur vaudouisant, je ne vais pas parler de l'ironie. Parce que les ironies sont damnées. Dis-moi pas mobiliser, c'est digne d'accord pour Madame Lalim, Madame Sisso, continuer à unir le pays d'Haïti à travers rester avec le palais national. Encore. Nous encourageons tout le monde, tout secteur. Parce que, pas oublier, problème pays, il n'est pas problème dirigeant, il n'est pas problème d'Aril, il n'est pas problème l'autre monde. C'est problème tout le monde. Je dis à kidnapping ne touche tout le monde. Seul Pierre qui n'a pas touché, MD dit ça sur l'écran, sur le micro radio, Public FM. MD dit je dis à Pierre pas kidnapper, c'est marqué Pierre qui n'a pas touché. Comme nous ne connaissons pas le monde qui a pas chance pour marquer PHT dans le foyer, donc nous avons l'autre simple nous essayer de mobiliser. Merci. Très bien.